Bonsoir à tous. Dans le message qu'il a adressé aux jeunes rassemblés à Strasbourg, à l'invitation de la communauté de Thésée, le pape François évoque la très belle prière présidée il y a un an par Benoît XVI sur la place Saint-Pierre, avec les milliers de jeunes qui déjà participaient à ce rassemblement. C'est la première des grandes prières communes que nous allons vivre en direct ce soir dans la si belle cathédrale de Strasbourg, cette même prière commune, et prier aussi au Wacken, le parc des expositions, pour accueillir les quelques 20 000 jeunes actuellement présents, et puis également dans la paroisse protestante Saint-Paul. C'est en communion avec tous ces lieux que s'élève le chant, la méditation, le silence, la paix des cœurs, ce soir à Strasbourg. Thank you.
Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Aleluia! 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 Christ Jesus, your gospel bears within it something so absolute that we cannot hold once we have set off. Your gospel calls us to follow you without looking back. Jezu Chryste, Twoja Ewangelia niesie w sobie coś tak absolutnego, że nie możemy zatrzymywać się pół drogi. Ona wzywa nas, byśmy, nie oglądając się wstecz, szli za Tobą. Jésus le Christ, ton évangile porte en lui un tel absolu que nous ne pouvons pas nous arrêter en cours de route. Il nous appelle à te suivre sans regarder en arrière. Jésus le Christ, Твоё Евангелие, абсолютно. И мы не можем остановиться на половине пути. Оно призывает нас следовать за Тобой, не оглядываясь назад. Jesus Christus, dein Evangelium ist von solcher Unbedingtheit, dass wir nicht auf dem Weg stehen bleiben können. Es ruft uns auf, dir nachzufolgen, ohne zurückzuschauen. Jesus Cristo, o teu Evangelho implica uma plenitude tal que não podemos parar a meio do caminho. Ele chama-nos a seguir-te sem olhar para trás.
Lecture selon saint Luc. Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts, nommé Lévi, assis à son bureau. Jésus lui dit : Suis-moi. Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi, qui étaient de leur parti, critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus : Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec le collecteur d'impôts et autres gens de mauvaise réputation ? Jésus leur répondit : Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyszedł i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Potem Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie i mówili do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jézus kiment, és ott látott egy Lévi nevű vámost a vámnál ülni. Azt mondta neki: Kövess engem! Erre az ott hagyott mindent, fölkelt és követte őt. Вийшовши після гэтага, Єзус убачив митника по імені Левій, який сидів на митні, і сказав йому: Іди за мною. Той покинув усе, устав і пішов за ним. Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no posto de cobrança. Disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Après cette lecture de l'évangile de Luc au chapitre 5, en français, puis en polonais, un bref extrait de la lecture en biélorusse, en hongrois, en portugais. Thank you.
la prière par quelques minutes de silence. The prayer will now continue with a few minutes of silence. L'expérience de la prière en silence dans la cathédrale, accompagnée pour nous par la musique instrumentale de Thésée pour la télévision. Expérience de l'intériorité, expérience du silence, expérience du cœur à cœur avec le Christ. C'est sans doute l'un des éléments les plus marquants de ce que vivent les jeunes lors de ces rencontres de Thésée. Nous pouvons accompagner la prière de ces jeunes avec cette méditation de frère Roger qu'il écrivait dans son journal le 8 mai 1961. La prière personnelle soutient deux démarches. D'une part, la communion avec Dieu en activant la ferveur. D'autre part, la communion avec les autres en nous donnant de rayonner Dieu, d'être des hommes de Dieu, donc des hommes de paix. Thank you.
das terras, pelos cristãos que lá vivem, oremos ao Senhor. Pacifique au conflit. Za wszystkie ludy Bliskiego Wschodu, za tych wszystkich, którzy szukają tam sprawiedliwości i pokoju.
благословляєш нас, Боже, милості, лише в Тобі наша душа знаходить мир. Du segnest uns, Jesus Christus. Du holst uns aus der Vereinsamung und lässt uns im Geheimnis der Gemeinschaft leben, das deine Kirche ist. Egal, dass Minken, Begeschek, Ischten, Bennet, Dolan, Bar, Ossiv, Örmig. Du abençoas-nos, Deus de ternura, concede-nos a colher o teu amor. Nas bogosławisz Duchu Święty, jesteśmy spragnieni Ciebie, bo Twoja współczująca miłość nie zna granic. Tu nous bénis, Dieu de toute consolation, toi qui dis à chacun, abandonne-toi tout simplement à l'Esprit Saint, ton peu de foi y suffit. We have come to Strasbourg as pilgrims of peace and trust in this city, in this region of Europe, which is today a symbol of reconciliation after the terrible wars in the 20th century. Nous sommes venus à Strasbourg comme des pèlerins de paix et de confiance dans cette ville, dans cette région d'Europe, qui est aujourd'hui un symbole de réconciliation après les terribles guerres du XXe siècle. Are all being welcomed into families on both sides of the border is a sign of hope. Najpierw chcemy podziękować tym, którzy nas goszczą. Nous voudrions tout de suite remercier celles et ceux qui accueillent. Quelle belle hospitalité. Quand vous serez rentrés ce soir, dites-le aux familles qui vous hébergent. Que les jeunes étrangers venus pour la rencontre soient tous accueillis dans des familles des deux côtés de la frontière est un signe d'espérance. Levi decided without hesitation to follow Jesus. Then he prepared a great meal involving all different kinds of people. Usłyszeliśmy przed chwilą w przeczytanym fragmencie. Nous venons d'entendre dans la lecture de l'Évangile, Jésus appelait Lévi à le suivre. Pozwólmy, żeby ta opowieść Laissons-nous interpeller par ce récit. Lévi décide sans hésiter de suivre Jésus. Puis il prépare un grand repas auquel participent toutes sortes de gens. What we would like to discover these days is a kind of image of this meal at Levi's house. Setting out to follow Jesus, we understand that at his table there is a place for all, and therefore for each one of us. Not because we measure up to his call, but because he loves us. Jesus even gives the place of honor to those who seem to be far from God or who feel far from God. W tych dniach chcielibyśmy odkryć coś, co przypomina Ce que nous voudrions découvrir ces jours est à l'image de ce repas chez Lévi. En nous mettant à la suite de Jésus, nous comprenons que à sa table, il y a une place pour tous,
et donc pour chacun de nous. Non pas parce que nous sommes à la hauteur de son appel, mais parce qu'il nous aime. Et Jésus donne même la place d'honneur à ceux qui paraissent loin de Dieu ou qui se sentent loin de Dieu. Jesus offers his friendship to all, and this friendship that Jesus shows, we can also live it among ourselves. Those who love Christ over all the earth form in his steps a kind of great community of friendship. Jésus propose son amitié à tous. Et cette amitié que Jésus montre, nous pouvons aussi la vivre entre nous. Ceux qui aiment le Christ sur toute la terre forment à sa suite comme une grande communauté d'amitié. To create and to strengthen a community of friendship, is that not a contribution that Christians can make to the future of our societies? There are so many challenges to face: unemployment, precariousness, the gap between rich and poor within each country and between nations, and related to this, the degradation of the environment. Many young people aspire to another kind of economic organization. Tworzenie, umacnianie tej przyjaznej wspólnoty. Créer, consolider une communauté d'amitié, n'est-ce pas une contribution que les chrétiens peuvent apporter en vue de l'avenir de nos sociétés? Il y a tant de défis à affronter. Le chômage, la précarité, l'écart entre riches et pauvres, à l'intérieur de chaque pays et entre les nations. Et lié à cela, la dégradation de l'environnement. Beaucoup de jeunes aspirent à une autre organisation économique. Is it possible to find answers to these challenges without beginning by first creating bonds of friendship? Christ, through the Holy Spirit, invites us to leave behind the spirit of rivalry, which brings about oppositions and injustices, and become creators of friendship, peacemakers. Peut-on chercher des réponses à ces défis sans commencer par créer des liens d'amitié? Le Christ, par l'Esprit Saint, nous invite à laisser derrière nous l'esprit de rivalité qui entraîne les oppositions, les injustices, et à devenir des créateurs d'amitié, des artisans de paix. Christ calls us all to widen our friendship. And we can do this very simply, as Jesus did, by a shared meal, by a visit, and especially by spreading forgiveness and trust all around us. Throughout our lives, we can be pilgrims of trust. Le Christ nous appelle tous à élargir notre amitié. Et nous pouvons le faire tout simplement, comme Jésus le faisait, par un repas partagé, par une visite, et surtout en apportant autour de nous le pardon et la confiance. Pendant toute notre vie, nous pouvons être des pèlerins de confiance. Tomorrow morning, you will reflect together,
you have found in the meeting booklet four proposals for 2014. They will help you these days, and then when you return home to your different countries, to seek visible unity, friendship among all those who love Christ. In other words, those who put their trust in Christ, and also, in addition, to all those who want to be witnesses to friendship in the world. Demain matin, vous y réfléchirez ensemble. Vous avez trouvé dans le livret de la rencontre quatre propositions pour 2014. Elles vous aideront ces jours, puis ensuite au retour chez vous, dans vos différents pays, à chercher la communion visible, l'amitié de tous ceux qui aiment le Christ, c'est-à-dire de ceux qui mettent leur confiance dans le Christ, et aussi au-delà de tous ceux qui voudraient être des témoins d'amitié dans le monde. Chaque soir, nous allons mentionner les différents pays et prier pour les jeunes qui viennent de ces pays et qui sont venus à Strasbourg. Ce soir, nous nous réjouissons en présence de jeunes venus de Norvège, de Suède, de Finlande, du Danemark, du Portugal, d'Espagne, de Malte et de l'Italie. Będziemy wymieniać nazwy krajów, z których młodzi ludzie przyjechali do Strasburga i będziemy się za te kraje modlić. Dziś wieczór radujemy się z obecności młodych z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Portugalii, Hiszpanii, Malty i Włoch. The prayer will now continue with singing and the prayer around the cross. Everyone can come up and put their forehead on the cross to address to God their own boldness and those of others. Teraz będzie trwać nasza modlitwa. Będziemy śpiewać. La prière va se poursuivre maintenant par le chant et par la prière autour de la croix. Et chacun est invité à venir poser son front sur la croix pour confier au Seigneur ses soucis, ses préoccupations, ses difficultés, ceux aussi de tous les autres.
Oh.
continue de venir se recueillir auprès de la croix, portant leurs questions, leurs soucis, peut-être leur action de grâce aussi. Dans sa méditation, le frère Aloïs est revenu sur la lecture de l'évangile de Luc qui a été proclamée juste avant. Nous avons entendu dans cette lecture Jésus appeler Lévi à le suivre. Laissons-nous interpeller par ce récit à inviter Aloïs. Lévi décide sans hésiter de suivre Jésus et puis il prépare un grand repas auquel participent toutes sortes de gens. Ce que nous voudrions découvrir ces jours est à l'image de ce repas chez Lévi. En nous mettant à la suite de Jésus, nous comprenons qu'à sa table, il y a une place pour tous et donc pour chacun de nous. Non pas parce que nous sommes à la hauteur de son appel, mais parce qu'il nous aime. Et Jésus donne même la place d'honneur à ceux qui paraissent loin de Dieu ou qui se sentent loin de Dieu. Voilà cette première prière commune du rassemblement de Thésée, 36e rencontre européenne de Thésée ici à Strasbourg qui s'est ouverte aujourd'hui. Cette prière va se poursuivre dans la cathédrale mais aussi au Wacken, au parc des expositions, dans les différents halls et puis à l'église Saint-Paul aussi longtemps que les jeunes voudront venir prier auprès de la croix. Quant à nous, nous nous retrouverons demain à 19h en direct de cette même magnifique cathédrale pour la prière commune du deuxième jour. Très belle soirée à toutes et à tous et merci aux frères de la communauté de Thésée et à tous ceux qui nous ont permis ce soir de vivre cette belle prière en direct de Strasbourg.